Bonjour. Pour cette nouvelle vidéo, je vais aborder un sujet que j'ai encore rarement abordé, ou très très partiellement. Et c'est aussi en réponse à un commentaire que j'ai reçu récemment qui me parlait de l'Afrique et qui me demandait un peu mon avis sur ce continent et sur les liens qu'il pouvait y avoir aussi avec les extraterrestres, les êtres des étoiles et tout ce qui se passe, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un continent qui est rarement abordé dans le contexte de la transition et de la spiritualité, on va dire quelque part, et du phénomène des êtres des étoiles, extraterrestres, ovnis, compagnie. Alors qu'en fait, il est majeur, quelque part aussi. On parle beaucoup des ovnis. Enfin, des apparitions, on va dire, j'aime pas trop le mot ovni parce que c'est parfaitement identifié maintenant, mais on parle beaucoup de ce phénomène-là en Europe, sur le continent américain, sur les autres continents, enfin, on en parle relativement, mais c'est vrai qu'en Afrique, on en parle très peu. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses qui peuvent aussi bloquer l'information à ce niveau-là. D'une part, les infrastructures, même si Internet existe partout dans le monde, il y a quand même des régions qui sont moins desservies que d'autres et où l'information est peut-être plus lente à nous parvenir. Et il y a aussi le poids de la religion, de certaines religions qui pour dans certains cas est quelque chose de comment dire, pas conforme ou à certains principes ou préceptes, on va dire. Donc on n'en parle pas. C'est culturel aussi. Dans les pays, dans certains pays, bon, on va dire musulmans, tout simplement. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais ça arrive. Alors que les personnes peuvent être intéressées et sont aussi témoins de ce qui se passe, faut pas croire. Mais c'est vrai que j'ai pu discuter avec, par exemple, dans certains pays comme la Tunisie, Maroc, un peu moins l'Algérie, mais dans certains pays comme ça, c'est vrai que c'est très difficile de parler de ça. Et même de spiritualité autre que ce qui est établi de par les États qui sont entre guillemets un peu sous ces préceptes-là et sous cette domination quelque part. Donc c'est pas facile quelque part. Après, dans les pays d'Afrique noire, on va dire, l'information nous vient rarement, alors qu'il se passe aussi quand même beaucoup de choses. Moi, je suis pas trop au courant de tout. Ce que je peux vous dire, parce que là je m'adresse en particulier, en particulier aux Africains qui me regardent, parce que je sais que vous êtes très très nombreux, et que vous posez ces questions-là aussi. Alors déjà, pour comprendre ce qui se passe dans l'Afrique, là je vais vous faire juste... je vais vous parler évidemment de ce que tout le monde connaît plus ou moins, on va parler... on va dire, de l'état actuel de l'Afrique. Et moi, je vais vous parler surtout du côté occulte des choses, du côté caché, karmique. Déjà, ce continent, s'il était parfaitement uni, s'il y avait, on va dire, des États-Unis d'Afrique parfaitement unis avec quelque chose qui ressemblerait aux États-Unis ou à l'Europe quelque part, ça n'existe pas. Même s'il y a des l'Union africaine, des choses comme ça, bon, c'est pas ça. Si vraiment c'était parfaitement uni, sans aucune domination de l'ombre, ça serait l'hyperpuissance mondiale. Il y a toutes les ressources dans ce pays en Afrique, il y a tout. Ça serait l'hyperpuissance. Donc c'est certain que les autres pays, les autres puissances n'ont aucun intérêt à se faire surclasser par ce continent, en tout cas. Donc ils vous divisent, ce sont des pays qui sont extrêmement corrompus au niveau des gouvernements, d'autant plus qu'ils servent aussi de laboratoire pour faire les essais de leur vaccin, enfin de leur vaccin, de leur cocktail bactériologique aussi. Voilà, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour eux, pour tester tout ce qu'il y a de bien négatif dans le monde à des fins de domination.
Bon, c'est un peu dur de vous dire ça pour ceux qui me regardent, mais c'est une réalité malheureusement pour l'instant. Alors, ils sont. Je ne dis pas que tous les pays d'Afrique sont non plus corrompus à ce point-là, mais il y en a beaucoup, quand même énormément, hein. Vous devez bien vous en rendre compte, hein, que bon. Vous savez de toute façon que nous, c'est pareil, hein, quelque part, hein, que ce soit l'Europe ou l'outre-Atlantique, voilà, c'est pareil, quoi. Mais à part que particulièrement l'Afrique, elle est vraiment, vraiment sous domination complète. Alors, de quoi il en résulte sur un autre plan? Alors, c'est vrai que l'Afrique, elle est encore dominée par la terre, par la racine. Donc, vous voyez, c'est les chakras de base, hein, qui gèrent encore ce continent. Et il faut pas oublier quelque chose, c'est que il y a très très longtemps, alors on va repartir dans des temps reculés bien avant l'Atlantide, ce qu'on peut appeler la race noire dominait le monde, était une civilisation hyper puissante et qui avait une domination sur quasiment la totalité du globe et qui maintenait en esclavage, en fin de compte, la race blanche, quoi. C'est difficile de. Bon, je sais que ça va faire bondir parce que j'ai déjà abordé, il me semble, une fois ce sujet-là. Et que ça a eu des fois des réactions un peu épidermiques. Mais c'est des faits. C'est des faits. Ça s'est passé. Ils étaient extrêmement puissants, extrêmement évolués, très riches. Et comme toute super civilisation qui est en prise de pouvoir, à un moment donné, eh bien, ils ont chuté. Mais véritablement chuté, au point de disparaître en tant que puissance et avoir un retour karmique. Celui-là, je parle de karma de race, de karma de. Vous savez qu'on parle de karma de nation, de karma de pays, de karma de famille, de karma individuel. Là, je parle de karma de race, même si je sais que ça ne vous plaît pas. Il y en a qui vont me dire, oui, mais il n'y a qu'une race humaine. Oui, c'est vrai, quelque part, c'est bien sûr. La race humaine, c'est. Mais bon, il faut dire quand même les choses. Je veux dire, c'est plus clair quand même quand on parle de blanc, de noir, de jaune, de rouge, de tout ce qu'on veut. Et je fais aucune discrimination à ce niveau-là. Évidemment, c'est une race humaine, mais il y a quand même moi, pour moi, il y a quand même des races quelque part dans le sens où par exemple, la race noire n'est pas originaire de la Terre, comme d'autres races ne sont pas originaires de la Terre. Il y a eu des apports par les êtres des étoiles. Et la race noire vient de notre monde. À l'origine. Alors là, on remonte à belle lurette. Il y a eu des apports. Bon, on va pas rentrer dans les détails historiques parce que de toute façon, c'est perdu dans les confins, on va dire, dans les mémoires akashiques. Un jour, ça reviendra à la surface. Un jour, vous aurez toutes les explications au travers des annales akashiques sur notre histoire, l'histoire de la planète depuis ses origines. Mais pour l'instant, on ne va pas partir encore là-dedans. L'humanité n'est pas encore prête à recevoir ça. Vous recevez parfois des informations par bribes, par petites parcelles. Mais soyez prudents aussi quant au discernement des belles histoires bien romancées. Y en a plein comme ça qui disent tout et n'importe quoi. Donc, ce que je peux vous dire déjà, c'est ces faits-là. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que c'est. On peut parler de race humaine, parce que maintenant on est tous sur la même planète, donc évidemment c'est vrai que la race humaine comporte les blancs, les noirs, les rouges, les jaunes, toutes les couleurs qu'on veut. Et c'est génial, moi je trouve ça génial cette planète avec toutes ces diversités. Mais si on veut être clair aussi, on peut dire que voilà. Et donc, il y a eu un retour karmique, ils ont sombré quand vous avez un abus de pouvoir avec les cycles et tout ce qui se passe, vous connaissez déjà tout ça. Bon, bah, ça s'est inversé. Et depuis maintenant, en fait, je ne sais pas depuis quand, depuis qu'on a la connaissance, c'est vrai que les choses ont été inversées et que cette superpuissance qui était ce peuple, cette race noire, a subi le contre-coup et s'est retrouvée elle-même esclave, bah,
par contrepartie, voilà, de la race blanche, quoi. Et donc, elle paye quelque part un karma. Elle a payé un karma depuis. Et pour moi, en tout cas, je vous dis, alors je réitère toujours ce que je dis, c'est toujours mon avis à travers mes expériences. Donc, ne vous offusquez pas en disant, ouais, comment tu sais tout ça? Et qu'est-ce que tu as toujours raison? Parce que des fois, j'ai des commentaires pas mal agressifs dans ce côté-là. Moi, voilà, je dis ce que je connais, ce que je sais. C'est quelque part. Ce sont mes connaissances, mais vous pouvez avoir des avis différents. Hein. Mais c'est pas la peine de vous énerver non plus. Comme je vous le dis, si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos pour certains. Je m'adresse à une archi-minorité qui est encore en train de critiquer de temps en temps, un peu bizarrement. Bon, enfin, parenthèse fermée. Donc, pour moi, elle est en train, voyez, vous, les Africains, alors je parle vraiment quand même de l'Afrique noire, hein, elle est disséminée un peu partout dans le monde, et aussi le continent, surtout le continent africain. Pour moi, vous êtes arrivé au terme de votre karma. Je pense que maintenant, c'est fini. Mais il faut que vous repreniez en main. Il faut que l'Afrique, en tout cas, l'homme africain, le peuple africain retrouve sa souveraineté et c'est toujours pareil. C'est pareil que nous autres en Europe ou en Occident ou un peu, voilà, ou en Atlantique ou outre-Atlantique. On doit retrouver notre liberté et vous devez d'autant plus retrouver votre autonomie, c'est-à-dire maintenant sortir de votre état. J'ai ce sentiment-là où vous avez été évidemment rabaissé depuis des siècles, on vous a cassé, on vous a inculqué comment dire, des doutes, des peurs, des sentiments de soumission, des sentiments de croire que vous étiez pas au niveau des autres, alors que vous êtes exactement, on est tous pareils, quoi. Donc encore, ça c'est les dernières bribes du karma qui vous restent à purifier et ça va aller très vite. Vous devez retrouver votre potentiel, votre pouvoir et votre force, sans vouloir forcément exploiter l'autre. Hein, mais non, hein, c'est pas inverser le problème. C'est-à-dire vous retrouver votre fierté, j'allais dire, mais c'est ça quelque part, votre souveraineté et votre confiance. Et c'est un peu comme sortir d'une espèce d'enfance. Vous voyez, le côté un peu enfantin, un peu naïf, qui est mignon en soi, mais bon, maintenant il faut être adulte aussi. Et retrouver toutes vos connaissances ancestrales, les remettre en avant. Vous avez énormément de connaissances de par vos anciens, par exemple, et vous avez déjà eu des contacts avec les êtres étoiles. Regardez le peuple Dogon. C'est qu'une particularité d'ailleurs qui a eu un gros problème là. Dernièrement, j'ai vu ça, où ils ont été persécutés et massacrés dans un village. Tout ça, c'est pas anodin, hein. On essaye de faire taire un peu aussi quelque part ceux qui sont capables qui sont porteurs de lumière, quelque part. Même si, évidemment, c'est pas parce que chaque peuple a aussi ses déviances, ses faiblesses, ses corruptions et tout, même les Dogons ou comme d'autres peuplades. Mais soyons vigilants quand il arrive ce genre de phénomène. Parce que, évidemment, ça va réémerger. Il y a des lumières, il y a des êtres, des guides qui sont incarnés en Afrique. Il y en a déjà eu, mais là, il va en renaître. Ils vont réapparaître, qui vont vous guider. De la même façon qu'il y a des apparitions de vaisseaux en Afrique, comme partout dans le monde, avec des contacts qui vont s'établir. Alors, c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas que c'est ponctué, c'est différent, on va dire, des civilisations, on va dire, européennes ou occidentales, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes cultures, même s'il y a eu l'emprise du colonialisme qui a un peu d'état, mais vous avez quand même vos propres racines. Donc c'est à travers votre culture ancestrale qu'ils vont agir et intervenir. Il ne va pas falloir les prendre comme des djinns ou des démons,
comme certains, voilà, le prétendent, ou comme dans certaines religions, on peut vous le faire croire. Il va falloir voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, il n'y a pas de raison, hein. Mais il est évident que cet énorme continent, avec cette population qui est quand même très très nombreuse, ne peut pas rester au banc de ce qui va se passer, au banc de la transition planétaire, hein. Au contraire, elle va apporter toute sa richesse et toutes ses connaissances qui vont réémerger pour aider à la transition. Et c'est commencé, c'est déjà là. Mais ça va passer aussi par vous, par une émancipation, par l'émancipation de comment dire, de votre d'un mental qui est encore, même si c'est la fin, qui est encore en manque de confiance. Alors, ça, c'est très important pour vous, c'est retrouver votre confiance, votre force. Et puis, évidemment, il va falloir que vous placiez à la tête de ceux qui vont vous guider, des êtres qui sont là, qui sont porteurs de lumière. Bon, moi, je ne vais pas vous faire de la politique, ce n'est pas la politique que je fais. Mais on voit déjà que ça se renverse, hein, des révolutions, des contre-révolutions. En Afrique, c'est pas mal, quoi. Pas dans tous les pays, évidemment. Il y a déjà eu des êtres qui ont une certaine culture qui vous ont guidé, mais il y en aura d'autres. Ça va venir. Alors, ça sera différent. Mais ça sera différent de, comme je dis, l'Occident, mais ça sera en phase avec votre façon d'être, votre façon de voir les choses, avec votre culture et avec vos connaissances ancestrales. Ça, c'est. Soyez très conscient de ça. Et puis, il va falloir aussi, quelque part, continuer à vous purifier et puis à écouter ceux qui ont quelque chose à dire dans vos traditions, mais qui sont porteurs aussi de lumière. Parce que je sais quand même quelque chose, je sais qu'en Afrique, vous connaissez beaucoup les forces occultes, mais des fois, elles sont servies, elles servent l'ombre, hein, ou un propre pouvoir, ou quelque chose de très égotique. Donc, par rapport à ça, prudence aussi, il va falloir sortir aussi de ça. Maintenant, il va falloir des êtres, suivre des êtres qui sont de véritables guérisseurs, qui œuvrent pour la lumière sans rien attendre en retour, rien en contrepartie. Donc, voilà, tout ça, il va falloir. Il y a une purification entre vous-même qui va se ce qui veut dire qu'il faut aller, comment dire, éliminer ce qui ne vous plaît pas. Hein. Maintenant, ça va passer par une non-violence, par une sagesse. Il y a une sagesse qui doit renaître. Sur ce continent, une sagesse entièrement nouvelle. Ça existe. Hein, elle est. Je ne connais pas tout. Évidemment, moi, je vous dis, je ne prétends pas tout connaître, mais je le sais. Je le sais. C'est tout. C'est différent. C'est pas une croyance, c'est que je le sais. Donc, vous verrez petit à petit naître, s'incarner des guides qui seront évidemment, qui seront incarnés en tant qu'Africains. Hein, ce ne sera pas, voilà, ce sera pas des missionnaires blancs, hein, croyez, c'est fini ça. Mais non, non. Et vous les verrez, vous devrez ils sont déjà là, hein, il y en a déjà. Ces êtres seront en communication avec aussi les êtres des étoiles et avec tous les êtres qui œuvrent pour le plan, on va dire, le plan cosmique pour l'éthérisation de la planète. Donc, tout ça va se faire. Et surtout au niveau des peuples qui ont encore, des peuples premiers, vous voyez, qui n'ont pas encore été trop trop corrompus, qui ont protégé leur culture, il va y avoir un renouveau, une émergence aussi à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, vous inquiétez pas, des apparitions de vaisseaux, c'est pareil, c'est bon pour tout le monde, il y en a. Il y en aura, des atterrissages, il y en a eu. Et ça, c'est valable pour le continent africain dans son ensemble. Hein, pareil pour le Maghreb, hein, je veux dire les pays maghrébins, je sais que vous êtes nombreux aussi à me regarder. Bon, c'est vrai que là, au point de vue culture, c'est un peu différent que l'Afrique noire, mais c'est pareil. Le principe sera le même. Ils sont là, et croyez-moi, il y en a eu, il y en aura toujours. Et là, c'est pareil. Il va falloir aussi, quelque part, faire une certaine révolution intérieure. Il n'y a pas de raison. Hein. Je sais que c'est dur pour vous, peut-être, pour certains d'entre vous, en tout cas. Il va falloir sortir de beaucoup de dogmes religieux qui vous emprisonnent. Pas quoi, nous, les Occidentaux, on a eu le dogme de la religion catholique, chrétienne, on va dire, dans son ensemble.
même si elle est encore en poids, elle fait ce qu'elle peut encore pour nous maintenir la tête sous l'eau, on s'en sort. Pour vous, il va falloir passer par là aussi. Alors, je n'appelle aucunement à des actes, voilà, c'est une révolution intérieure, je le dis bien. Je sais qu'en disant ça, il y en a qui vont me sortir plein de versets, voilà, pour me dire, oui, mais c'est déjà marqué dans le Coran ou dans la Bible. Oui, ben c'est très bien ça, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je dis très bien, je sors au-delà des dogmes, je ne rentre pas là-dedans. Je suis hors religieux, moi, je m'en fous complètement des religions, je vous le dis carrément. Je suis longtemps que je suis sorti de tous ces trucs-là, même si dans les livres saints, sacrés, comme vous les appelez, il y a des allusions aux êtres des étoiles, aux Elohim, au voyage astral. C'est très bien, il y a des parts de vérité, tout est très bien. Ok, mais je suis hors système ça ne m'intéresse pas, donc ce n'est pas la peine de me le rappeler ou de me le montrer. Je ne me réfère aucunement à ça. Je me réfère à d'autres choses. Donc, ouais, donc il y a du boulot. Pour vous, sur ce continent, il y a un boulot qui est aussi. Alors, je ne vais pas dire quoi, ouais, il y a plus de boulot en Afrique que chez nous. Ce n'est pas vrai du tout. Croyez-moi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique du Sud ou en Chine, je ne vous en parle même pas. Il y a un boulot. Il est différent, mais il est aussi important, aussi, comment dire, aussi peut-être quelque part difficile à faire, et on peut y arriver. Mais c'est différent. Mais vous êtes capable, vous êtes largement capable. Moi, j'ai confiance en tout le peuple de la planète. Hein. Même si vos gouvernements ils vous maintiennent c'est strict, parce que il y a des lois, voilà. C'est pas comme en France. Hein. En France, c'est vrai que bon, si on s'oppose à l'Église, on risque pas grand-chose, sauf dans certains cas bien précis, évidemment. Mais en général, voilà. Bon, et ça, c'est quelque part, c'est un peu karmique tout ça. Hein, mais c'est toujours pareil. C'est retrouver votre véritable pouvoir de partout dans le monde, votre souveraineté en tant qu'être incarné et qui doit jouer son propre rôle. Donc, moi je pense que ce message, j'espère que vous avez quand même ressenti ce que je veux dire au niveau de l'Afrique en général et de l'Afrique noire en particulier, au niveau ancestral. C'est par là que va ressortir les choses. Parce qu'il y a au niveau culturel, au niveau même ésotérique, vous avez tout ça, vous avez déjà les bases. Vous avez beaucoup de choses, énormément de connaissances. Ça doit être évidemment nettoyer, purifier, remise à jour, réactualiser. Mais c'est à travers ça que vous allez créer votre propre dynamique. Et c'est un renouveau. C'est un renouveau comme partout dans le monde. Donc, sans compter que vous avez des lieux sacrés, vous avez comme partout dans le monde des vortex, des lieux où vous pourrez transcender les choses, aller au-delà. Je vous parle pas des pyramides d'Égypte, évidemment, ça c'est le voilà. Mais il y a même dans l'Afrique noire, il y a des petites pyramides. Hein. Et puis il y a plein de choses que vous allez découvrir qui vous sont cachées, qui ont été cachées, qui vont être mises à jour dans cette immensité qu'est ce continent africain. Il y a des sub si vous allez redécouvrir des vestiges d'anciennes civilisations avec des endroits, des lieux qui sont maintenus encore secrets, qui connaissent peut-être déjà les aides du gouvernement mondial, mais qui vont être remises à jour et qui sont parfaitement actifs. De toute façon, il ne faut pas croire, il y a des gardiens dans tous ces lieux, et qui vont être réactivés, et qui sont déjà réactivés pour refaire dynamiser les énergies, on va dire, les énergies de ce continent pour les réactiver, pour refaire monter les consciences. Or, c'est pour ça que vous allez voir passer des vaisseaux, hein. Entre autres. Et il y en a déjà un peu partout. Et il y a des êtres qui sont actifs à ce niveau-là. Il y a même des êtres d'autres continents aussi qui vont réactiver les choses. Comme il a été fait, par exemple, dans les pyramides d'Amérique centrale ou du Sud, enfin, je ne sais plus lesquelles, à chaque fois je me trompe des continents, par certains lamas tibétains qui ont réactivé des pyramides. Comme on a d'autres. Comment dire?
Comme il y a des êtres un peu partout dans le monde qui ont des, voilà, qui s'occupent de ça. Mais vous avez aussi vos propres maîtres spirituels africains qui se réincarnent, attention, hein, qui sont déjà réincarnés, qui vont agir dans tous ces lieux hautement chargés et remettre en route la machine quelque part pour que voilà, ça pète, parce que il est temps maintenant que l'Afrique redevienne lumineuse et ne soit plus simplement le terrain de jeu ou d'expérience de l'ombre. Hein? Je pouvais croire qu'à chaque fois que l'ombre veut expérimenter des virus hyper dangereux, hyper mortels, des armes bactériologiques, tout ça, malheureusement, c'est fait en Afrique noire. Hein. C'est facile de corrompre un pays en acceptant tout ça. Donc ça, c'est dramatique, c'est tragique. Ça aussi, il va falloir faut en prendre conscience arrêter ça, stopper-les. Vous avez aucune raison. Hein. Voilà, donc, c'est. Voilà. Bon, je pense que vous êtes plus ou moins au courant de ce qui se passe, mais enfin, si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. C'est le terrain de jeu, d'expérience, des forces de l'ombre, du gouvernement mondial. Même si après, on va tester un peu ailleurs, hein, mais c'est là où ils font tout votre truc. Hein. Et j'ai vu, des fois, ça passe inaperçu, des fois, c'est un tout petit article dans un journal, vous voyez, un truc d'information internationale. Où on découvre une maladie dans un village, là, une épidémie d'une maladie qu'on n'a jamais eue, qui décime les. En plus, ça cible, alors des fois ça peut être des catégories d'âge, des fois c'est les enfants, des fois c'est les vieux, ou des fois c'est une ethnie, et ça passe totalement inaperçu, on n'en parlera absolument pas, comment dire, aux infos de la télé, quoi. C'est déjà un petit encart, mais moi, comme par hasard, quand je tombe dessus, c'est pas anodin. Puis, oups, c'est étouffé, évidemment. Parce qu'il y a eu un petit journaliste qui était sur le coin, là, indépendant, qui a transmis l'info. Mais bon, vite, c'est censuré. Donc, c'est vrai que pour vous, c'est à la fois qu'il y a quand même quelque chose aussi de karmique là-dedans. Mais bon, maintenant, c'est bon, les karmas, ils sont faits pour être purifiés. Hein. C'est vrai que l'Afrique noire s'est servie, a fait la même chose il y a des milliers d'années. Ou des millions d'années, enfin, je sais plus en combien de ça chiffre. Mais c'est bon, on va pas se remettre se jeter la pierre à chaque fois. Ne vous sentez plus coupable. Surtout, c'est ces sentiments de culpabilité qui pouvaient porter ce continent à la soumission aussi, quelque part. Ne vous sentez plus coupable, chacun. C'est fini le temps de la culpabilité, mais non. Et surtout, ne cherchez pas la revanche. Il n'est plus question de revanche maintenant. Il est question de se retrouver tous unis sur cette planète. Et c'est que comme ça qu'on va transiter. Sinon, ça va transiter, mais alors, je ne vous dis pas dans quel. Il faut essayer d'éviter le plus de casse possible, hein, maintenant. Hein, c'est ça le truc. Ça va marcher. Et on y arrivera. Mais bon, en attendant, essayez de calmer les jeux. Calmer le jeu le plus possible, d'ayez des pensées positives. Plus de pensées de vengeance, plus de ressentiment, plus toutes ces choses-là, quoi. Je veux dire, c'est fini. Le temps de l'œil pour œil, dent pour dent, c'est terminé. Hein. Ça a été la règle pendant des siècles et des siècles, et on a vu jusqu'où ça nous a mené. Oui, le message aussi que je peux vous transmettre à ceux qui me regardaient sur d'autres continents, sur ce continent-là. Alors, je parle l'Afrique noire et l'Afrique subsaharienne, hein, Maghreb. Tunisie, Algérie, Maroc, qui me regardaient de votre pays. Je sais que, il me semble que la censure, enfin je ne sais pas s'il y a eu des problèmes de censure chez vous, mais je sais qu'on m'a dit que par exemple si je voulais faire une conférence sur le sujet, dans certains pays j'aurais eu du mal, quoi. Hein. Parler de voyage astral, dans les pays du Maghreb, il paraît que c'est, comment vous dites, Aram, je ne sais plus comment vous dites là, que c'est péché ou je sais pas quoi, Aram, là, vous me direz, vous me marquerez en commentaire comment on dit. Et que je pourrais pas parce que la religion, c'est une religion d'État, mais elle censure ce genre de trucs. Mais ayez la foi, ce coup-ci une foi en vous, et les messages, ça passera. Ce que je veux dire, c'est que. Voilà, ce que je voulais en revenir, parce que moi je pars toujours à droite à gauche, je fais des apartés. Ce que je veux dire, c'est que le message que j'ai dit concernant les vaisseaux de lumière, les contacts avec les étoiles, évidemment, c'est valable pour vous. Rien ne vous empêche, au contraire,
vous pouvez rencontrer ces êtres-là voilà, sur votre continent. Hein. Il n'y a pas de frontières, vous voyez. Comment dire c'est un message universel que je vous dis, la transition est universelle. Hein. Ça ne s'adresse pas qu'à une catégorie de la planète. Hein. Donc, et les vaisseaux, ils y sont, hein, ils sont partout. Hein. Donc, si vous rencontrez ces êtres, alors, ne vous inquiétez pas, ils sont très prudents, ils vous mettront jamais en danger par rapport à ce qui peut être des autorités, mais vous en aurez. Putain, je sais qu'il y en a eu, hein. J'avais des contacts, ouais, je crois que c'est en Tunisie, qui a eu beaucoup de rencontres approchées déjà, hein. Faut pas croire, hein. De toute façon, c'est pas ça qui les arrête, hein. Faut pas croire. Hein. Mais c'est pareil, c'est la même démarche, hein. Une démarche la plus simplifiée possible. C'est vrai que voilà, il faut aller au-delà des dogmes et de la religion par rapport à ça. Parce que le poids est encore puissant, mais bon, vous êtes capable. Je sais que si vous me regardez déjà, c'est que vous êtes intéressé à quelque chose de spirituel qui dépasse un peu vos traditions, on va dire, religieuses quelque part. Hein. Et tout ça, c'est à transcender aussi. Hein. Mais ça marchera, il y en aura. Il y en aura. De la même façon qu'il y a. Oui, on me dit que. On me dit que, oui, c'est bien, je reçois juste une info, là. On me dit qu'il y a eu beaucoup, dans certains pays du Maghreb, les aides des étoiles, positifs, évidemment, les bienveillants, ont entrepris une hybridation avec la jante féminine, il y a une hybridation qui se fait. Alors je ne sais pas pourquoi, parce que là je reçois l'info en direct, donc bon, écoutez, attendez, je vais essayer de mettre de l'ordre là dans tout ça. Oui, c'est un message qu'on me transmet, donc vous inquiétez pas si un jour vous voyez certaines personnes tomber enceintes, on va dire, et avoir des enfants un peu de manière un peu miraculeuse. Il y a un programme d'hybridation qui est positif, qui est en train de se faire avec certaines femmes d'origine, je vous dis textuelle, d'origine maghrébine, car elles sont porteuses d'une ADN modifiée. Donc je vous transmets le message, vous en faites ce que vous en voulez. Ouais, ça remonte à l'époque pharaonique, hein, aussi, donc... Il y a une espèce de lignée là, il y a quelque chose de très très bizarre. Bon, je ne connais pas, j'envoie les faux, j'essaierai de la développer peut-être plus tard, hein, parce que ils m'envoient des infos comme ça en direct live et je suis le premier surpris autant que vous. Mais donc, c'est pour vous dire au niveau du Nord-Afrique, là, du pays Nord-Afrique, il y a quand même quelque chose de particulier aussi qui se joue au niveau de la transition. Donc, il y a quelque chose au niveau de la génétique, vous êtes porteur d'une génétique particulière, surtout certaines femmes que je vois, on me parle de berbères peut-être, ou de personnes comme ça. Bon, écoutez, moi je connais pas du tout ça. Seule chose que je peux vous dire, qu'il y a certaines qui vont... C'est la base d'une nouvelle vague d'incarnation d'êtres particuliers qui va naître par... un phénomène d'hybridation positif, ne vous inquiétez pas. Donc les femmes qui vont donner naissance à ces êtres-là, c'est un parfait accord, hein. Il n'y a pas de... il y a toujours des accords, des contrats qui sont passés avec ces êtres de lumière. C'est quelque chose de karmique qui fait partie d'un plan. Bon, voilà, l'information surprise que je vous donne, que je vous transmets. Bon, ça en fait parmi... Il y en aura. De temps en temps, c'est comme ça, hein. Je sais pas pourquoi, mais comme je m'adresse à vous, voilà, il s'adresse à vous à travers moi aussi. Ou alors c'est des mémoires qui me reviennent, je sais pas comment je fonctionne des fois, moi je m'étonne moi-même. Enfin voilà, l'information est transmise. Donc rassurez-vous, voilà, le message c'est ce soir, rassurez-vous, vous n'avez, aucun souci à vous faire.
vous êtes impliqué, tout ce continent est impliqué d'une façon ou d'une autre, de la même façon que tous les autres continents de la planète. Le côté Chine, j'y vais, peut-être que j'en reparlerai, mais je crois que j'ai pas beaucoup de Chinois qui me regardent. C'est tellement censuré dans ce pays que je crois que Denis Dorion n'est pas connu en Chine. Mais ça, évidemment, il ne faut pas croire que cet état totalitaire va rester aussi muselé qu'il ne le paraît. N'oublions pas que ce sont des colosses aux pieds d'argile. Les uns comme les autres. Ils tomberont un jour ou l'autre. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura intéressé, que j'ai abordé un sujet un peu inhabituel. Mais il fallait que je m'adresse aussi à tous ceux qui me regardent de l'autre côté de la Méditerranée et sur ces immenses continents. Et c'est en réponse à un commentaire qui a suscité cette vidéo. Voilà, donc si ça vous a plu, bah, toujours pareil, vous partagez, vous likez. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche des notifications. Puis moi, personnellement, je vous retrouverai très bientôt. Voilà, pour des nouvelles surprises. Voilà, sur ce, passez un très bon moment et prenez soin de vous. À bientôt.